Bonjour. Bienvenue pour ce 15e épisode d'Entre Let's Play sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Peut-être le dernier épisode. Peut-être pas. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Alors, voilà, hein, vous pouvez le voir, on est à 54% du jeu. De taux d'accomplissement. Dans la région ? Ah bah dans la région c'est pareil. Ça tombe bien. Mais ouais, non, j'ai pas réussi à finir la moindre région. Là où je suis plus avancé, c'est là, hein, Saffiron, je crois. Ouais, voilà, 78%. Et ouais, voilà. Hein. Enfin, j'ai encore beaucoup de quêtes. Hein. Enfin, plus tant que bataille que ça, parce que les niveaux bataille... Ah si, il reste ça aussi. Ah si, en fait, ouais, si, d'accord. Ah, je crois que j'avais fait toutes les quêtes niveau 41. D'accord, je me disais, ah, il me reste plus que ça. Ah non, pas du tout. Ouais, voilà. Bon, il me reste encore pas mal de combats, mais bon, bah, je les finirai plus tard. En attendant, moi, j'ai envie de savoir la suite de l'histoire. Et potentiellement sa fin. Est-ce que pour une fois, on prendrait pas un plat? Genre ça, par exemple. Comme c'est appétissant. Ouais, non, mais efficacité des plats plus 1% à ça, ça me servira à rien. Non mais ça pareil, ça va me servir à rien. Les dégâts de la... Ah les dégâts de la... du Sheikah Ouais hein. Ouais. Gain d'expérience on s'en fout, remplissage OCF, dégâts ennemis... Ah, dégâts causés par les ennemis. Ouais. Ah, dégâts infligés de plus 10%. Ouais voilà, allez hop. Voilà. Oui, c'est très bon. Vous voyez là-haut, vous l'avez vu. Bah, c'est bon, voilà. Ok, bah let's go, c'est parti. Sans plus attendre, mon équipe était prête, normalement. J'ai même mis une tenue à Link. Incroyable. Regardez! Vous êtes donc arrivé jusqu'ici? Bande de misérables vermines! Mais on dirait... Je vais maintenant me charger de vous anéantir, car c'est là... Votre destin! Repoussant les hordes de monstres revenus à la vie pendant la lune de sang, Link et ses compagnons avaient enfin ouvert la voie vers le château d'Hyrule. Mais une ultime épreuve les attendait. Quelle serait l'issue de cette bataille dont allait dépendre l'avenir du royaume d'Hyrule tout entier? Il est là, Astor. Bon, bah, c'est un peu le son. Quoi que je le remontais dès qu'il y aura une cinématique, hein, mais c'est pas grave. Hein. Écoutez, hein, je fais ce que je peux. Aïe, on y est. Enfin, on y est, ça se trouve, hein, ça se trouve, peut-être pas du tout. Hein. Ça se trouve, là, on est encore parti pour 3 chapitres. Voilà, hein, je sais rien. Hein. Vous pouvez voir, hein, on avait voilà, 19 missions pour l'instant, on a fait 19 missions de la quête principale. Je fais 91 combats, 203 quêtes. À droite, à gauche. Bon, le jeu est... Il y a quand même du contenu. Hein. Il y a quand même du contenu. Et sans vraiment, de toute façon, on y reviendra quand je ferai un bilan sur le jeu. Alors qu'on peut voir l'entièreté de notre crew. Et... Bon, il y a cette histoire hein, de Astor d'un côté, et du petit robot qu'il a et qui posséderait... qui serait possédé par Ganon, de l'autre. J'espère qu'on aura des explications. Un petit peu, au moins. On verra. Ok. C'est la toute dernière bataille. Hein. Zelda, elle a dit c'est la dernière bataille. Hein. Ah ouais, c'est les Ganon le fléau. Mais au bout d'un moment, tu fais difficilement. Ok. Ah, les fameux quartiers. On va peut-être explorer d'autres zones du château là. Ah, attendez.
Éliminer Astor et l'emprise de Ganon. Alors. Ah ouais, au secours. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste un ennemi au pif, hein. Bon, Zelda. Hein? Ah ouais, d'accord. Mais au secours? Pourquoi c'est aussi insupportable? Ouais. Ah, attendez, juste, je viens de voir un truc. Attendez, si je fais ça. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, on peut changer de perso comme ça directement. Oui, je découvre ça que maintenant, hein. Écoutez. Hein. Au bout de 15 épisodes. Pas de problème. Ah, il y a du monde, ouais. Ouais, j'ai un peu amélioré mon Link, hein. Un petit peu. Enfin, en fait, les persos qu'on joue, j'ai fait quasiment toutes les améliorations possibles. À part certaines de cœur. Ok. Ça, ça meurt. C'est l'apocalypse. Je sais pas ce qu'il allait faire, mais... Oh, elle est tellement vénère, mon Link. Boum. Éradiqué. Ouais, pardon, hein, prends le temps de regarder un peu le château. Hein. C'est... voilà. Ok. Bon, est-ce que maintenant... Non. Ouais, mais... Ah. Ok. Je sais pas si je fais bien de faire ça. Et toi, Impa, tu peux aller là? Non. On va jouer avec Impa, du coup. C'est la seule que j'ai pas dirigée. D'accord, bon, ils sont tous partis par là. Donc visiblement, c'est par là. Moi, je vais les suivre. Est-ce qu'on va avoir les ombres de Ganon? On va faire du ménage, hein. Avec Impa, on va faire du ménage. On va la laisser là. D'accord. Je vous attendais pas aussitôt. Honnêtement. J'avais pas vu l'objectif en fait, ouais. En plus, oh non mais elle c'est vraiment la pire ombre. C'est vraiment celle que j'aime le moins affronter. Au secours. Et justement en plus je l'ai affronté avec Mipha au cours d'une mission. Donc c'est assez marrant que je retombe sur elle avec Mipha, quoi. Ah ouais. Oh non. Mais saloperie.
Oui, la caméra est très bien. Oh, pas de problème avec la caméra. Et ça y est, voilà, là c'est le moment, voilà, c'est le moment où je vais souffrir. J'y vois rien, au secours, j'y vois rien. Non mais attends, il me pavient m'aider. Ah ah ah. Ok, une en moins. Oh, ouais, non, j'aurais pas pu tuer l'autre en même temps. Ça aurait été trop bon. Au secours! Arrêtez ce gangbang! Ok, bon. Au moins, elle est morte. Ah bah tiens, on a Urbosa et Daru quoi. Ah non mais, ah oui, oui non mais oui, il passe normal. Du coup une page je l'ai envoyé pour rien. Non. Ok. Allez, s'il te plaît. Non. Si. Ok. Ouais. Alors, avec Impa. Ouais, voilà. Allez, c'est parti avec Zelda. Zelda qui est surpété, hein. On rappelle. Maintenant, elle déconne plus. Genre plus du tout. Comment ça? Ah ouais, non, par contre, il va falloir s'occuper de lui là. Ça me va pas. Hein. Non, mais au secours. Ah, je prends cher. Ok. C'est pas l'endroit où il y a les armes, ça. Mais qu'est-ce que... Je l'avais pas paralysé. Sale bait. Non, c'était pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. En fait, ce que je voulais... Non, toujours pas. C'est ça. Sale... Non, mais sale bait. Ah, vraiment, j'ai esquivé une balle. Au moins, elle est morte.
Alors Zelda. Ah ouais. Ah bah super. Allez go hein. L'esquive aérienne hein. Jamais hein. Ça ne marche pas. Boum. Toi va rejoindre Zelda. Non mais Impa, Impa c'est trop fort. Juste trop fort comme perso. Bon je vais prendre un coup dans 2 secondes hein, parce que j'ai dit ça. Sachez-le. Ah bah non, il peut pas me toucher parce que je ne suis pas là. L'attaque des crapauds. On va cancel. Et bam. Juste monstrueuse perso. Voilà. Juste Impa. Je suis désolé hein, vous l'aurez vu beaucoup dans ce let's play hein. Mais voilà. Si vous voulez, dans l'ancien Hyrule Warriors, j'adorais jouer Shake. Que je trouvais trop stylé et j'aimais bien la vitesse de cette attaque. Et voilà, là c'est Impa. Dans ce jeu là c'est Impa. Aïe. Non mais meurs en fait. Non mais tu... Ça dirait pas de mourir. Non mais ah, je prends juste des dégâts parce que je bourre. Ok. Attendez, c'est quoi ça là? Ah bah d'accord. C'est normal que soit la merde comme ça là. Ouais, on peut pas y aller ici. Ok. Ah parce que ouais voilà il manque un peu de charge de baguette. Adieu. Non par contre c'était là. Ah, il est là. Bon, c'est trop tard, mais c'est pas grave. Adieu. Alors maintenant, Mipha. Mipha, tu vas te mettre là. Non, tu peux pas. Ah, on peut pas rejoindre cette zone. Bon, tu vas te mettre là. Et du coup, Zelda, bon, plusieurs ombres. Hein.
Non mais Zelda elle est trop forte à son avis. C'est moi qui suis moins fort pour esquiver, mais ça c'est un autre problème quoi. Ah mais on a Link aussi ? Oh attends. Il s'en est pas fait d'ombre encore Link. Sauf que c'est vraiment un perso chacun quoi. Ça devait pouvoir être cancel ça. Vous voyez pas? Moi non plus. Mais il prend quand même des dégâts hein. Ah tiens. Ce cadeau. Ah ça le tue pas quand même hein. Le combo des deux. Même le combo des deux. Avec l'arbre. Ok. Ah bah ouais, tiens. Les fameux quartiers. Est-ce qu'on va affronter un Linel? Coucou toi. Réceptacle du fléau. Mais du coup toi t'es quoi? Est-ce que t'es le même que notre pote ou pas? Mais venu d'une autre temporalité. Ou rien à voir. Les gardiens. Par contre Zelda KTF là quoi. Ouais. Bon, pour l'instant. Ok. Alors que le roi arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis bourré d'attaque. Ça m'arrive jamais. Faut qu'il se calme hein. Bon. J'ai dit de te calmer. Bam. Couché. Ouais, évidemment. Évidemment. Ça allait pas se régler en une phase. Ok. Non. Je les déteste. Hein. Oh, il y en a plusieurs. Ah, bah ouais, que des comme ça, hein. Jamais. Elle a jamais voulu esquiver. Elle a jamais voulu faire ce que je voulais qu'elle fasse. Mais c'est pas grave. Un de moins. Histoire de soigner. D'être sûr que nos potes sont full vie.
Ah, salut Noya. Oh, la caméra a pas du tout de mal, c'est faux. Ah, bon bah... ouais. Alors, juste, tu vas me faire ça. Et ensuite, tu vas aller rejoindre Astor. Enfin, et rejoindre Mipha. Non mais attends, Mipha. Ouais, ouais. Ouais, fallait le tenter, ça, hein. Bon. Autre méthode. Pour esquiver les rayons du gardien. Le bourrer. Ah, mais c'est bon. J'ai eu les deux. Mais comment ça il a attaqué? Oh vraiment... Saloperie. Tout cassé. Allez hop. Bah de toute façon bon. Je m'en occupe. Non. Princesse Mipha, je vais faire mon possible. Salut. Peut-être que ça va me TP tout le monde, hein. Et c'est parti. Attendez, hein. En fait, on va faire un truc, hein. On va emmener tout le monde là, hein. L'autre est pas figé, ouais. Comment il attaque? C'est Link qui m'a eu? Non, je crois que c'est Link qui m'a touché. C'est relou. Là, je vous avoue, j'attends que tout le monde arrive pour lancer mon soin avec Mipha. C'est un misclic. Je vous l'appuie sur X, mais c'est pas grave. Mais saloperie! Non mais tu peux. Après, et ceci dit, est-ce que c'est une bonne idée de mener tout le monde au même endroit? Non. En vrai, non. Non non, en vrai c'est une mauvaise idée, hein. Il suffit qu'il spawn à l'autre bout de la map après. Je peux me mettre dans la merde. Bah ouais, bien sûr.
Mais non! Cette boule là, pas du mal, hein. Pas du mal à esquiver ça. Ok. Mais c'est vrai que j'ai un bouton paré aussi dans ce jeu. Hein. C'est vrai que j'oublie, mais il y a un bouton paré dans ce jeu. Ouais. Merci. Ah ouais, elle est full life, même pas là du coup. Oh, trop bien. Bon, normalement il est bientôt fini. Ah mais qu'est-ce... Pourquoi elle est partie? Mais quelle gourde! Alors, je voulais quand même que ce soit Mifa qui le finish. Tant qu'à faire. Coup dur. Et on en fait quoi d'eux? J'ai aucune idée, hein. Ah bah. Ah bah. Ah bah, faut croire que j'ai pissé le bon endroit. Ah, trop bien. Ah, je suis en train, hein. Je suis en train de les taper. Dès que je peux, je les tape. Hein. C'est incroyable. Hein. J'ai placé Link vraiment au bon endroit. Hein. Pourquoi? C'est moi que le fléau Ganon a choisi. Je suis l'élu. Je refuse d'y croire. Je n'accepterai jamais pareil destin au fléau Ganon. Repaissez-vous sans plus attendre de ces... C'est... cette gueule.
Attendez. Est-ce que le scénario veut prendre un autre sens d'un coup ou c'est juste qu'il s'est fait posséder là par le fléau Ganon? Sûrement, hein. Parce qu'en fait, je vous explique là ce que je viens de penser, mais ça me paraît, en vrai ça me paraît improbable. Mais est-ce que le petit robot, il a été envoyé par Ganon, il y a donc depuis le... Enfin, il aurait été envoyé dans le passé pour changer le cours des événements, parce qu'il sait que de toute façon, dans Breath of the Wild, Ganon va être éliminé. Je pars peut-être loin, hein. Je pars peut-être très très loin là. Mais bon, en tout cas, petit robot, hein. Astor est mort. Ouais, alors bah, je l'attaque direct, hein. Ouais, non, le gardien sous influence. Oh. Hein, tout ça pour... Tu m'as ruiné mon scénario. J'exagère un peu. Tout ça pour devenir méchant à la fin. J'aurais aucune pitié pour toi, hein. Vraiment aucune pitié, hein. Ah, et toi non plus. J'ai dit aucune pitié. Bam! Pas mort encore. Tout cassé! Hein? Ça aurait pu être après qu'elle, hein. Mais non, t'es là. Donc là, on peut se venger. Allez, tout casse. Ah oui, c'est vrai que j'avais des faits. Tout cassé. Ah oui, complètement cassé, ouais. La résurrection du fléau a déjà été prédite. En tant que princesse d'Hyrule, vous devez vous soumettre à un entraînement rigoureux. Vous n'avez nul besoin d'un jouet de la sorte. Je suis désolé.
Ganon. Pour le royaume d'Hyrule. Pour tous ceux qui ont souffert. Tous ceux qui ont péri. Pour notre avenir à tous. Nous allons te vaincre, j'en fais la promesse. Bon, du coup, pas du tout. Pas du tout le robot, hein. Mais je comprends pas, hein. Par contre, attends, enfin, deux secondes. Le robot. Pourquoi il est pas intervenu dans Breath of the Wild, du coup? Hein? Voilà, bon, hein? Question qui me vient comme ça, mais bon. Et bon, pareil, hein, le fin. Pourquoi le roi d'Hyrule il enlève ça? Je... Bon. Alors pendant un demi-instant, j'ai cru que c'était le roi... C'était Terako, du coup, qui allait buter la mère de Zelda. On apprend finalement qu'il était mort à cause de ça. Enfin, qu'elle était morte à cause de ça. A priori, non. Bon. Ah ouais, ouais, j'ai compris, hein. J'ai compris, il faut aller. Hein. T'inquiète, hein. Bon, attends. Tout le monde là, hein. Tout le monde là-bas. Pour le combat final. Ah, petit Korogu ici? Non. C'est vrai qu'on a pas vu de Korogu, hein. Aïe aïe aïe. Ah mais ouais, mais cette cascade, oh là là. Cette cascade, elle me parle. Peut-être pas en fait, mais... Attendez, là on est en haut ou en bas? On est en bas. Non, on est en haut. C'est con. Est-ce que c'est la même entrée que dans Breath of the Wild? C'est la question que je me pose. Alors par contre, je veux bien que ça fasse un moment que j'ai pas fini, refini Breath of the Wild. Mais il avait pas cette tête là, hein, Ganon. Hein. Là il ressemble vachement plus à l'avatar du néant slash Ganondorf. Hein. Pour l'instant j'aimerais pouvoir le toucher en fait. Mais ça ne marche pas. Bah ouais. Alors c'est vrai que j'ai pas l'épée de légende. Mais bon. Ce héros.
Allons-y. Mettons fin à cette guerre. Pour toujours. Bon, au moins, il reviendra plus. Ok. Ça me fait poser pas mal de questions sur le scénario, mais... Est-ce que ce serait pour ça que du coup il y a une version du gardien possédée par Ganon? Pas de Terako, hein. Je sens que le truc il est censé avoir des technologies qui n'existent pas, mais que ça a été, il a été fabriqué par Zelda. Enfin, y a plein de trucs bizarres, mais... Écoutez... voilà. J'aurai l'occasion d'y penser, je pense. D'y réfléchir. Pour l'instant, on va juste éclater Ganon. On peut enfin le taper. Après, par contre, ce qu'il laissait supposer, c'est que... Genre, le moment où il remonte le temps, c'est à ce moment-là. Sauf qu'en fait, non. Parce que c'est la même phrase que sort Zelda, mais... Bon. Non, la situation n'est pas censée être du tout la même. Au moment où elle sortira cette phrase. Non. Ouais. Bah voilà, là c'est les bombes. Je savais bien que tu voulais des bombes. Alors là, attends, là on va faire une petite fête. Non. En fait, il me faudrait le A de mi-fin. Mais non, mais laisse tomber, je l'aurai pas. Phase 2. Link.
Je compte sur toi, petit gars! Ne nous déçois pas! On dirait que c'est le moment des adieux. Ce fut un honneur de vous prêter main forte. J'emporte cette immense fierté avec moi. Je te confie les Gerudo de l'avenir, Reiju. Merci pour tout, Yonobo. Même si c'était court, on s'est bien amusé. Ça, c'est vrai. Combattre tous les deux ensemble comme ça, c'était tellement génial! L'expérience fut enrichissante. Elle m'a fait découvrir le vrai visage du grand prodige des Piaf. J'imagine qu'un jour ou l'autre, nous nous reverrons. Oui, je serai toujours à tes côtés. Je t'en fais la promesse, ma chère sœur. Je n'oublierai jamais ce miracle. De vous avoir vu ainsi. Combattre à nos côtés. C'est certain. Je ne l'oublierai jamais. Puisse la lumière vous accompagner. Que dans 100 ans, elle continue de briller. C'est vrai que j'ai vu le moment où il restait bloqué avec eux. Hein. Ok. Je suis mitigé. Hein. Bon. Baisse un peu le son là. Moi je vais baisser un peu le son aussi pour moi. Non, j'ai dit baisser. Non, s'il te plaît, le jeu, respecte-moi. Ok. Bah écoutez, on a terminé. On en a fini avec
Hyrule Warrior, l'ère du fléau. Bon, il y a d'un côté ce que je pense de l'histoire. Enfin, ce que je pense de l'histoire. En soi, l'histoire en elle-même, hein, ce qui nous est raconté, en soi, c'est sympa. Hein, genre, il y a beaucoup de scènes que j'ai beaucoup aimées. Les cinématiques sont ultra classe. Et notamment toute la partie au début. Bon, t'enlèves quelques petits détails, quelques petits trucs. Mais globalement, c'est à peu près, j'imagine, comme ça que ça s'est passé il y a 100 ans dans l'univers de Breath of the Wild. Après, voilà, comme j'ai dit, bah là, du coup, est-ce qu'on est dans une timeline de la victoire? Est-ce que c'est juste pour ce jeu et ça sera jamais réutilisé nulle part ailleurs? Ou est-ce que, en gros, dans Breath of the Wild... C'est tout con, hein, mais il suffit que dans Breath of the Wild 2, normalement, on va revoir Yunobo, Teba... Sidon et Ruji. Donc, est-ce que eux ils vont s'en rappeler? Est-ce que eux ils se rappelleront du fait qu'ils sont partis dans... Enfin, voilà, hein. Parce que bon, on serait pas dans un univers comme Zelda, je dirais, ah, mais ça se trouve, du coup, ça va changer complètement le futur, machin. Et Breath of the Wild 2, en fait, en réalité, va se passer dans cette timeline-là. On est dans Zelda, donc on peut imaginer une timeline de la défaite, une timeline de la victoire. C'est un peu ironique, venant d'un jeu comme Breath of the Wild qui a un peu détruit les systèmes de timeline parce que ça les emmerdait au final. Ça, c'est un détail. Globalement, le jeu est bien. Enfin, moi, j'ai séché le jeu en 3 jours. Hein. Je crois que c'est bien d'accord. Là, ça fait 3 jours que le jeu est sorti. Même pas. Ouais, si, techniquement, ça fait 3 jours. Et on est dimanche. On est dimanche, donc ça fait 3 jours. Voilà, Donald Renew dans le French Cast, hein. Entre autres. Mais voilà, les cinématiques, hein, tout, l'ambiance, hein, les OST, les graphismes, enfin, la mise en scène, tout ça c'était stylé. Bon, il y a cette histoire de gardien, de toute façon, dès que je l'ai vu ce gardien de mort, j'ai senti la douille. Je me suis dit, oh oui, lui il va poser problème. Ah ouais, il a posé problème, ouais. Parce que en fait, c'est difficile de réfléchir, de se dire. Qu'il existait dans Breath of the Wild, en fait. En même temps, il a l'air, parce que visiblement, il appartient à l'enfance de Zelda, et l'enfance de Zelda... pas de raison qu'elle ait changé entre Breath of the Wild et ce jeu, quoi, on va dire. Mais, bon... Peut-être que dans une timeline... Je sais pas. Après, en vrai, peut-être qu'il peut y avoir une explication avec le coup, justement, de ce robot possédé par l'ombre de Ganon. Et le fait qu'il y a Astor, parce que si ça se trouve, en fait, Astor, notamment, n'existe pas, si, quoi que si. Vous voyez, c'est là où je suis trigger. Par contre, ce thème magnifique. Pardon. Voilà. Enfin, l'OST de ce jeu est incroyable. Et ce, voilà, ce Teraku, hein, c'est ça? C'est Teraku, je crois. Qui sera finalement le seul sacrifice de cette timeline-là. En même temps, dans notre timeline, il y a quasiment tout le monde qui est mort, mais c'est un autre détail. Bon, j'espère en tout cas vraiment que Breath of the Wild 2 sera quand même dans la continuité de Breath of the Wild 1. Même si ça me ferait plaisir de revoir Mifa, hein, je dis pas, hein, mais voilà, bon... voilà. Parce que techniquement, Mifa, je pense que les auras... Ouais, non, 100 ans, c'est... Oui, bah non, mais de toute façon, on a Sidon qui était petit, qui est adulte, 100 ans plus tard. Donc, bon, pire, elle est un peu grand-mère, mais elle est pas morte, quoi. Mais ouais, parce que Astor, qui est le prophète du chaos, techniquement, du coup, j'imagine que c'est le fameux prophète qui a prophétisé le retour de Ganon. La question, c'est est-ce qu'il l'a prophétisé parce qu'il avait vu ce petit gardien de mort? Ou pas? Enfin, ça, c'est une des questions. On se calme, là, au niveau des plats. J'ai reçu 40 piles loot. Mais, parce que... Enfin, si c'est bien ce prophète-là... Techniquement, du coup, il existait. Bon, il a forcément pas fait les mêmes choses. Ne serait-ce que bah, parce que, voilà... Hein, enfin, c'est là où c'est là où, voilà... À partir de quel moment se fait vraiment la différence, en fait, entre Breath of the Wild, enfin, quand je dis Breath of the Wild, entre le passé de Breath of the Wild et le passé de ce jeu.
Enfin, ce qui se passe dans ce jeu. Ah oui, d'accord. Oui, ben, attends. Attends, je peux voir s'il y a du contenu post-game ou pas du tout. Hein? Comment, c'est quoi cette icône là? Me dites pas qu'il y a un Terraku en perso jouable. En vrai, ce CD, il était dans le temps de chargement, hein, donc pourquoi pas. Hein. Attendez, c'est quoi ce symbole de Nakorogu? Au secours. Pièce de Terraku. Ah! Ouais, c'est pas Terraku du coup. Rassembler des pièces antiques et mobiliser les efforts des habitants d'Hyrule afin de réussir tous ensemble à réparer Terraku. J'ai obtenu les tenues de Zelda, Mipha, Daruk, Revali et Urbosa. Le retour de Terraku. Tout le monde aimerait revoir Terraku. Ouais. Oui, non mais oui. Oui. Oui, j'ai très envie de revoir Terraku et c'est vrai que... C'est vrai que... J'arrêtais. D'accord, donc en gros, voilà, il va falloir rassembler les pièces de Terraku. Bah ça, en l'occurrence, je pense que c'est un truc que... Ah bah, on peut le faire? Non, je peux pas. Ah non, non, il manque des perches. Attendez, ouais, c'est quoi le symbole de notre Korogu, là? Peintre en quête d'inspiration. Ouais. Pourquoi c'est un symbole de Noakorogu? Enfin, en fait, je dis que c'est un symbole de Noakorogu parce que c'est le marqueur que j'utilisais pour les Noakorogu, moi, mais... C'est vrai que techniquement c'est peut-être pas le symbole du Nakorogu pour le jeu de base. C'est vrai que c'est moi qui l'ai un peu interprété comme ça aussi. Attendez, il y avait d'autres Nakorogu. On charge le cinétisme plus rapide. D'accord. Ouais non, c'est juste des quêtes en plus quoi. Ok, bah écoutez, on a pas mal. Bon voilà, ça laisse du contenu post-game. Par contre, attendez, 50 pièces. Ouais, niveau soit... Tournoi des guerriers d'Hyrule. On n'a pas débloqué tous les persos, visiblement. Hein. Alors, par contre, je... Qu'est-ce que c'est que ce perso? Attendez, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on voit l'ombre, là? Non. J'ai limite envie de faire le tournoi pour essayer de voir qui c'est ce... Attendez, non mais en vrai, hein. En fait, en vrai, hein. Ah, je peux pas. Bon, bah, il me part. Bon, bah, il me part. Hein. Partir, au combat. J'ai pas regardé les règles, on s'en fout, on tente. De toute façon, la vidéo est fait une heure, mais... C'est entre guillemets le dernier épisode, parce que du coup, je pense que je ferai un dernier épisode pour voir ce que c'est Terraku. Quand tu le répares, peut-être que t'as un truc, machin, voilà. Ce serait peut-être un peu de post-game, quoi. Lorsque Terraku est arrivé de l'avenir, poursuivi par la rancœur de Ganon, une nouvelle dimension s'est créée parallèlement à celle de l'histoire originale. Mais à Terraku, il est arrivé d'où? Poursuivi par la rancœur de... Au secours. À quel moment ça se passe, en fait? À quel moment il a intervenu? La cinématique du début du jeu se passe à quel moment? C'est la question que je me pose, en fait, aussi. Mais bon, voilà, hein, oui, effectivement, bon, au cas où on l'aurait pas compris, c'est une autre dimension, effectivement. Ah bah oui, je peux plus jouer avec le robot, du coup. Ah, par contre, si le seul intérêt, c'est de pouvoir rejouer avec le robot dans le roster... Alors par contre, c'est le dernier combattant. Hein. On va prendre Tarif. Par contre, attendez, je vais remettre mon casque correctement, moi. Ouais, ouais. Évite de prendre trop de coups. Ouais, par contre... Ah, je fais pas de dégâts, quoi. Mais bon. Non, bon, on va essayer, on va voir juste... Parce que, attendez, là, j'ai un perso, je sais pas ce que c'est. Bah, je suis curieux, hein. Mais voilà, bon, d'un point de vue de l'histoire, bon, j'avoue que voilà, j'aurais...
Quelque part, j'aurais préféré qu'on nous raconte vraiment ce qui s'était passé en fait avant les événements de Breath of the Wild. Je peux comprendre que pour pas plomber le moral des gens, c'est peut-être plus sain. Ah ouais, par contre, faut qu'il soit porté quoi. Je peux comprendre que pour pas plomber le moral des gens, ils aient décidé de faire autrement, mais c'est quand même un peu dommage, je trouve. Sale bait. Ouais, ça va être long en fait. Sachant qu'il faut qu'on arrive à survivre jusqu'à ce qu'on voit le dernier perso. Hein. Non. Est-ce qu'il est dans le mauvais sens? Ok. Oh non, mais non. Petit bâtard. Ok. Ok. J'essaie de me concentrer un petit peu. Avec les bombes à distance. Je vous avoue que j'avais très peur qu'il attaque avant. Ouais, ouais. Ah, j'avais pas vu le timer. Oh, ça va être marrant. Hein. On va tellement pas y arriver. On va tout faire pour. Le grand Koga. Après c'est Link. Et après surprise. Je crois. Par contre, c'est bon les sbires là? C'est un tournoi de combattants ou c'est... C'est du free fight là? Alors je veux bien que ce soit Koga qu'on affronte mais... Ok. Ah oh non, mais non, mais non, 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 non. Saloperie. Bon, je vais me soigner déjà, mais... Mais non, mais non, mais non. Faut pas que je prenne de dégâts bêtement, là. Je peux pas trop me permettre. Mais bon, voilà. Non, globalement, j'ai quand même... J'apprécie quand même vachement le jeu. Hein. En termes de contenu, ça reste quand même vachement riche. Et en fait, c'est vrai que c'est la réflexion que je me faisais, c'est que... S'il y a moins d'heures de jeu, techniquement, que l'autre Hyrule Warriors, c'est pas vraiment grave en fait, parce que l'autre Hyrule Warriors a énormément de contenu, certes, mais un poil répétitif, hein, au bout d'un moment, bon, voilà. Et sachant que t'as aussi beaucoup de contenu qui est carrément DLC. Je pense que c'est possible qu'il y ait du DLC pour ce jeu aussi. Qui rajouterait du coup du contenu. Mais... Donc au final... que les deux jeux sont quand même assez différents. Bah, ça reste des Musso dans les deux cas. Mais en fait, bah, l'expérience de ce jeu-là, finalement, merde, je l'ai fait trop tard. Se complète, on va dire, assez bien avec l'autre. Et sachant que, bon, en termes de cohérence, de mission, etc., enfin, je trouve que le jeu est vachement mieux maîtrisé en fait que le premier Hyrule Warriors. Hein. Qu'on se mette bien d'accord. Que ce soit au niveau du gameplay, qui... Enfin... Le gameplay en lui-même, ça reste un Musso. Mais... En tout cas, que ce soit voilà, au niveau des missions que tu fais, des personnages aussi. Pour l'instant, en vrai, bon... Oui, il y a des personnages que j'aime plus que d'autres, enfin, que j'aime moins que d'autres, etc. Ah, j'étais pas sûr que c'était les bons. Mais en gros, en vrai, il n'y a pas de perso que je déteste vraiment et chaque perso est vraiment différent aussi. Non, 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 mais non, mais non, mais...
Non. J'ai dit non en fait. J'arrive. Cinétique aurait pouvoir. Non, non et non. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, il invoque des sbires. Et il meurt. Ok. Ah, le level up, ça fait plaisir. Il est où l'ennemi? Ouais. Ah, Link avec la tenue du... Ah, avec cette petite tenue. On a pas encore cette tenue, non. On l'aura pas avant un moment, hein. Je pense qu'on la verrait jamais en let's play, hein. Dans le let's play, hein, mais... Ou à la limite, si vraiment, genre, je fais la dernière vidéo quand je finis 100%, quoi. Alors, techniquement, Link, on connaît ses attaques. Ouais. Aïe. Ah, vraiment? N'attendez pas une onde de choc en fait. Non, mais non! Absorbe le symbole! Alors, c'est pas ce que je voulais faire. Mais finalement, c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Alors, je me re-soigne, hein. On rappelle, le but c'est au moins on arrive à battre Link, on voit quel est l'autre perso, et après on peut mourir, c'est pas un problème. Juste savoir qui est l'autre perso, quoi. Non, vite. On rate pas le timing cette fois. Hop. Nouveau symbole. Parce qu'on a bientôt le A. Ouais, on devrait le tuer, hein. En vrai, on devrait le finir. Oh, mais Impa, c'est abusé comme j'adore ce perso, hein. En vrai, voilà. Genre vraiment, pour l'instant, tous les persos que j'essayais, Impa. Hein. Juste Impa, quoi. Alors j'aime beaucoup Link, j'aime beaucoup Mipha. Revali, je l'aime bien. Ouais. Zelda, arc de lumière, trop forte. C'est toi. Mais t'es pas un perso, toi. Toi, t'es pas un perso, on est d'accord. Toi, c'est pour le troll. Quoique, en vrai... Non, mais en vrai, non. En vrai, on a même pas Astor, je veux dire, on va pas nous mettre ce perso. On va nous mettre ça en perso. Par contre, on va lui mettre une dérouillée, je pense. Dit-il avant de se prendre des dégâts. Oh merde. Allez, bouffe. Bouffe les dégâts. Bouffe. Ah, attends, je fais ça, et ensuite je te fais ton point faible. Je pense que tu vas kiffer, là. Bam. Deuxième symbole. Et troisième symbole. Voilà.
Ouais, et puis meurs en fait. Meurs. Du coup, c'était bien ça. Le perso mystère, c'était lui là. D'accord. D'accord. Écoutez, si jamais il est jouable, je vous montrerai. Hein. Mais ouais. Après, c'est vrai que du coup, je vous aurais jamais montré le gameplay de Yunobo et de... Ah, ah mais non, c'était cette tenue qu'il avait, c'est la tenue des Landes. Ah bah nice. Nice. Ouais, je vous avais pas montré le gameplay de Yunobo et de Teba. Alors Teba, en vrai, c'était sympa. Yunobo, j'avoue que... Bon, j'ai pas trop. C'est pas celui qui m'a paru le plus... Voilà, pas celui que j'ai préféré. Mais, ceci dit, il ressemble pas non plus à celui de Daru. Enfin, vraiment, chaque gameplay, pour le coup, est différent, je trouve. Donc, ça qui est assez sympa. Ouais. Ouais, non, voilà, je débloque pas un concours de Miss Vaille. D'accord. Non, mais attendez, je peux faire ça. Attendez, on va donner... Oh, il faut des noix courtes au goût. C'était vraiment impressionnant. Oh non. Pièce de terraco. Bah tiens, fais ça aussi. Bravo. Impressionnant. Histoire d'avancer là-dessus. Ouais. Bon, on avance comme on peut. Non, il faut pas des noix courtes au goût pour chaque. Ok. J'ai eu peur. Je me suis dit, oh là là, mon dieu. Bah attendez, parce que là... Là, on est d'accord, genre... Là, j'ai 5 pièces. 2 pièces. 2 pièces, ouais, je vais encore en avoir d'autres qui vont se débloquer après, en fait. Ah, et là, il faut des noix courtes au goût. Oh, il faut des noix courtes au goût. Oh, oh. Bon. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour... pas pour la suite, techniquement. Mais... De toute façon, moi, je vais continuer à poncer le jeu de mon côté. Là, c'est encore pas mal de choses à faire, hein, mine de rien, sur le jeu. Pour deux... Enfin, je pense que de toute façon, je donnerai un nouvel avis un peu plus à froid. Parce que là, je suis à chaud. Donc, comme je l'ai dit, bon, c'est vrai que je pense que ça s'est vu au niveau de ma réaction. Hein. J'étais pas très fan de l'idée... Non, mais attendez, mais combien de couleurs je peux avoir, là, au levant? Ouais, bon, on fait ça aussi. Profite, hein. Jolie performance. Mais, ouais. Ah ouais, là, on a plus de couleurs, oui. On a ça, on a le rouge sang. Le jaune clair. Ah ouais, ouais. D'accord. Toujours plus de nuances. Ah, oh, et la tenue des Landes. Ok. Mais non, mais voilà, bon, en tout cas, globalement, le jeu est quand même vachement sympa. C'est un Musso, donc faut aimer le genre des Musso aussi, hein, qu'on se le dise, hein, voilà, forcément, pas mal. C'est le genre de jeu, faut taper. Mais, au final, moi, mon temps de jeu, il est baisé, hein. Mon temps de jeu, il est à combien, vas-y, que je rigole, hein. Que je rigole, il y a combien mon temps de jeu? 34 heures, voilà. 34 heures. Donc. Bon, alors sachant que. Je sais pas si le. Je sais pas si le jeu a tourné en fond. 34 heures en 3 jours. Je sais pas si le jeu a tourné en fond à un moment donné. Peut-être un peu, hein. Mais bon. Peut-être une heure ou deux. Donc. Alors, c'est vrai que j'allais dire, globalement, ouais, le jeu est pas très long à faire en ligne droite. Ouais. Bon, je peux peut-être pas dire ça. Après, c'est ben, parce que je me suis permis de faire les quêtes à chaque fois. Surtout au début, je faisais toutes les batailles entre chaque chapitre. Mais globalement, la quête principale, je sais pas, ça doit prendre une dizaine d'heures, quelque part, quelque chose comme ça. Alors après, c'est sûr qu'il faut le level... Voilà. Bon après c'est vrai que moi j'ai essayé de monter tous les niveaux des personnages indépendamment. Ah ça y est,
Je suis plus limité au niveau de mes choix de recrues. Visiblement. Visiblement. Ah non ! Là, je suis obligé d'avoir Zelda. Ma foi. Bon. Moi, je voulais vérifier un truc, par contre, c'était ça. Voilà. D'accord. Ouais, voilà, la trois tenues, la robe méditation, la tenue d'hiver. D'ailleurs, on a une petite description. Voilà. J'imagine que les tenues, voilà, c'est habit de prodige et sans la fameuse écharpe. Et bon, bah alors Link, voilà. Mais du coup, ouais, ok. Très bien. Alors juste... juste, hein. Tralala. Ah, ce Link, hein. La tenue des Landes. Alors attendez, du coup, c'est quelle tenue que je débloque avec... avec ça. Parce que oui, c'est pas la tenue de... c'est pas la tenue de... du premier Hyrule Warriors, ça, d'ailleurs. En vrai. Je crois, hein. L'écharpe bleue comme ça, là. Semble que c'est la tenue du premier Hyrule Warriors. Bon. En tout cas, voilà. Globalement, c'est un bon jeu en termes d'histoire, de lore, de ce que ça apporte à l'univers Zelda. Ça apporte quand même des infos sur Breath of the Wild. Hein. Ceci dit, je persiste à penser ça, que tu peux décrypter ne serait-ce que, voilà, comme je l'ai dit, je vais prendre cet exemple parce que pour moi c'est plus facile entre guillemets, mais la forteresse d'Akala, on sait à peu près comment ça se fait qu'elle est tombée, hein, a priori. Avec voilà tous les soldats qui sont qui sont allés là-bas, sauf que bon bah il y avait plus personne pour protéger et face à toute la nuée de gardiens qu'il y a eu, bah ils ont pas pu s'en sortir. Mais voilà, c'est vrai que du coup on sait pas trop Astor, ce qu'il fait là, qui c'est, le petit gardien, le gardien possédé par Ganon. Voilà, ça c'est flou, mais en même temps je me dis peut-être qu'il y a des trucs quand même à en décrypter et que ça a du sens. Alors par contre, on en parle de sur l'île Finalis là. Ça aurait été bien qu'ils mettent une map Finalis. Bon après voilà, pareil. Enfin, le jeu n'est pas parfait, hein. Je pense que bon, il y avait quand même des trucs. Moi notamment cet amphithéâtre là, hein. Cet amphithéâtre, hein, je suis désolé mais c'est un scandale. Hein. Vous nous parlez d'amphithéâtre, vous étiez dans l'amphithéâtre et t'étais dans un sanctuaire. Je suis désolé, mais non. Mais bon, en tout cas, voilà, globalement, j'ai quand même beaucoup aimé le jeu. Voilà, en termes d'histoire, bon, comme j'ai dit, c'est un peu plus discutable, mais à côté de ça, voilà, tu revois quand même des personnages qui ont été développés, qui ont été travaillés. Il y a quand même un travail sur le jeu, ne serait-ce qu'au niveau des décors, et je pense que ça, c'est un truc que je vais adorer faire. Mais je vais me faire plaisir, et du coup, moi, je vous donne rendez-vous, d'ailleurs, hein, pour la suite du Let's Play de Breath of the Wild. Parce que, à mon avis, on se fera des petites comparatifs en mode... alors, tiens, le château d'Hyrule... Bon, on commencera pas avec le château d'Hyrule, parce qu'il faut qu'on y arrive. Hein. Mais genre, le plateau du prélude, comment il est dans le jeu, hein, voilà, vous voyez, là, regardez ça. Regardez comme c'est beau. Il est pas du tout dans cet état-là, le plateau du prélude, quand on y va dans Breath of the Wild. Donc, le comparer, voilà. Je vais être obligé. Je vais être obligé de faire... De regarder un petit peu comment la map a changé, en fait, un petit peu. Parce que... Il y a ça, il y a le château d'Hyrule aussi, hein. Le château d'Hyrule... Enfin, tous les abords du château d'Hyrule, tout ça... Voilà. C'est vrai que ça avait pas la même gueule, quoi. On va le dire. Bon. Ça, voilà, de ce côté-là, bon... Ça reste vachement intéressant de pouvoir redécouvrir Hyrule comment c'était il y a 100 ans. Et oui, il y avait... Voilà, j'allais dire, il y avait un autre truc que je voulais dire. Ça m'est revenu. J'en avais parlé à un moment donné. Mais à mon avis, du coup... c'est pas impossible que l'épisode 16 clôture réellement le let's play avec un truc en mode... Ah mais ça va être impossible. En fait là je suis en train de réfléchir mais...
Et comment je fais? Comment je fais en fait? Parce que j'allais dire, à la limite. J'allais dire à la limite. Enfin. Parce que je voulais, voilà, mettre toutes les cinématiques de ce jeu, les unes après les autres, into les cinématiques de Breath of the Wild. Enfin, en plaçant les cinématiques de Breath of the Wild au bon endroit. Sauf que forcément, ça ne peut pas marcher. Mais, bon, de toute façon, moi, j'irai me remater un peu toutes les cinématiques de Breath of the Wild. Et je verrai ce que je peux faire, mais en gros, peut-être que je ferai un épisode full cinématique, en gros, avec toute l'histoire, en mode juste les cinématiques pour l'épisode 16, je ne sais pas. Je verrai. Parce que ouais, en fait, ouais, maintenant que j'y pense, bon, bah, c'est vrai que le truc, c'est que forcément, vu que l'histoire prend un chemin différent, autant je pense qu'il y a des trucs que tu peux mettre en parallèle, qui se passent techniquement, en fait, et qui sont, voilà, qu'on n'a pas vu parce que bah, ce serait redondant des souvenirs. Mais notamment, bah, comme je vous l'avais dit, il y avait, elle est où la mission? Au secours, hein. Elle était par là, je crois. Link Chevalier Servant. C'est voilà, Chevalier Servant de Zelda. C'est une bataille où tu devais escorter Zelda, protéger Zelda, et t'avais des Yiga qui arrivaient. D'ailleurs, je suis surpris qu'ils me disent pas qu'il y a des Yiga dans les ennemis, mais bon. Donc, je suis quasiment sûr que ça, que ce combat-là, il fait référence au souvenir qu'on avait eu à un moment donné où Zelda se fait attaquer par des Yiga, justement. Voilà, enfin, c'est pour ça. Il y a des trucs que je veux vérifier un petit peu, et donc du coup, j'essaierai de vous faire une sorte de récapitulatif, potentiellement en intégrant des cinématiques de Breath of the Wild dedans, ou peut-être pas. Ce sera peut-être juste que des cinématiques de ce jeu. On verra le moment venu. Ce sera pas un épisode qui va sortir tout de suite après. Même si pour le coup, bon là, les cinématiques de Breath of the Wild, je vais les récupérer de ma sauvegarde principale. Je vais pas attendre de les faire en let's play pour pour les rajouter, mais voilà. En tout cas, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. C'est une force nouvelle. En esquivant au bon moment, vous pouvez partir une attaque durant l'esquive. Meilleur perso. Meilleur personnage. Mais non, tu peux attaquer pendant l'esquive. Non mais vas-y. C'est vrai qu'elle était pas... Elle était pas assez pétée, je suis d'accord. Non mais je suis d'accord, elle était pas assez pétée. Je suis d'accord. C'est j'ai vrai. Réussi. C'est vrai. Les effets des modules Sheikah sont renforcés. Ouais, mais ça, c'est... Ouais, ouais, bon. C'est toujours agréable. Très bien. Bah, écoutez. Moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres contenus, d'autres let's play qui vont arriver, d'autres vidéos et bah, d'autres contenus aussi sur Zelda, parce que, bon, bah, j'en ai pas fini avec ce jeu. Déjà. Et j'en ai pas fini avec Breath of the Wild non plus, hein. Clairement. Mais voilà, c'était quand même... Bah, j'ai quand même, voilà, j'ai beaucoup aimé hein, ce jeu, quand même, globalement. Hein, voilà, je me plains de l'histoire, je me plains de certains détails. Ça restait quand même très agréable. Comme je l'ai dit, je le répète, mais les cinématiques... ça fait quand même quelque chose. Il y a des cinématiques, elles sont vraiment classe, quoi. Genre les petites cinématiques où tu vois les prodiges se battre contre les... Attendez, est-ce que je les ai dans la galerie, celle-là? Parce que, ben genre, c'est tout con, hein, mais c'est des petites scènes. Hein. Mais, Ah, ça doit être par là. Non, c'est pas chapitre 3. Au secours. Au secours. Ouais, voilà. Genre, les petites scènes où tu vois les prodiges combattre, où ils se font secourir. Alors là, bon, là, t'as le moment. Ils se font secourir. Ah ouais, d'accord. Mais, mais ça fait quand même quelque chose, cette... Voilà, la petite mise en scène, la musique, machin, tout ça, c'est... Bon, quand même, hein. On notera aussi, hein, on se rappellera, hein, de Supa. Supa mort. Visiblement, hein. Bah, a priori, hein. Attends, par contre, ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est juste le... Joignant leur force à celle des sauveurs venus du futur,
Les ça c'est juste le lore. Pour repousser les hordes de gardiens et de monstres. Mais ouais, bah mais du coup voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire. Je ferai peut-être un avis dédié à ce jeu une fois que j'aurai un peu plus posé ma réflexion, histoire d'essayer de décrypter un peu plus le scénario, ce que ça peut nous apprendre, ce que ça peut impliquer, etc. etc. Mais voilà, comme je l'ai dit, de toute façon, il suffit que... Link non mais... et ses compagnons. Ah oui, voilà, en fait, je pouvais passer. Il suffit juste que, voilà, on ait Sidon, Ruji, Yonobo ou Teba qui nous disent « Ouais, au fait, j'ai pu rencontrer le prodige, machin. » D'ailleurs, ça me fait rigoler parce que t'as Teba qui est en mode « Ah, j'ai pu voir le vrai visage du prodige. » Et tu sais pas trop, en fait. Tu sais pas si c'est parce qu'il se dit « Ah ouais, en fait, il était vraiment insupportable, Réveil. » C'est ce que j'aime penser, mais peut-être pas, hein, mais... voilà. Donc bon, moi je vous dis à la prochaine. Je pense que j'ai, ouais, voilà, j'en reparlerai dans un avis dédié, mais voilà. Portez-vous bien. Bye bye. Merci d'avoir regardé.